Bon bah salut à tous. Au fond là, c'est bon ? Ok. Alors du coup, je vais vous présenter le principe des tests statistiques. Du coup, vous allez vous rendre compte que la biostat, c'est vraiment la base, c'est génial. Il faut kiffer ça parce qu'au concours, ça fait vraiment la différence. Du coup, on va commencer, je vais vous définir ce que c'est un test stat. Bon là, on avait marqué un truc, c'est vrai, mais c'est pas tout le temps vrai. Du coup, je vais vous donner une autre définition. Donc un test statistique, en fait, ça permet, à partir de N observations sur un certain échantillon, de tester des hypothèses sur la population, ok ? C'est en gros un test stat, c'est aussi un outil. C'est un outil qui va nous permettre de comparer plein de valeurs et on va en tirer des conclusions. Et ça, ces conclusions, elles sont utilisées à fond en médecine pour choisir les meilleurs traitements, etc. Hop. Alors du coup, pour commencer un test statistique, on va commencer par formuler une hypothèse, ok ? Donc ça s'appelle l'hypothèse H0 ou hypothèse nulle. Ça va porter sur des paramètres théoriques comme le nombre de cas d'une maladie, des variables biologiques et physiologiques. Ça va toujours être une égalité, ok ? Et pendant le test statistique, on va considérer que H0 est vrai. Et à l'issue du test, quand on aura rentré toutes nos valeurs, on va avoir deux options. Soit on rejette H0, parce qu'on détecte une différence entre les valeurs et ça colle pas, soit on rejette pas H0, et du coup on détecte pas de différence significative entre les paramètres de la population et par exemple une valeur théorique, ok ? Et attention, surtout, on n'accepte jamais H0. Chaque année, ça tombe au concours, chaque année, il y en a qui se font avoir. On ne peut pas accepter H0. Pourquoi ? Parce que peut-être que si on avait augmenté le nombre de personnes dans l'échantillon, on aurait obtenu quelque chose de plus significatif. Enfin, on aurait peut-être rejeté si ça avait été plus précis. Donc, on ne peut pas dire qu'on accepte H0, on dit juste qu'on ne la rejette pas. Ok ? Parce que ça reste une hypothèse, on est sûr de rien. Alors du coup, on va vous présenter deux méthodes pour faire un test statistique. Soit on fait avec un intervalle de fluctuation, donc vous avez vu hier comment les faire. Du coup, on construit un intervalle à 1 moins alpha, on prend toujours un risque alpha de 5%, on le construit sous H0 pour un échantillon de taille N. Donc là, vous avez la formule que vous avez vue hier. Et à l'issue du test, en fait, on va avoir, si notre valeur θ, la valeur qu'on a mesurée sur un échantillon, par exemple, si on mesure une moyenne sur un échantillon, on va regarder si, par exemple, ça appartient. Du coup, si la moyenne qu'on a mesurée, elle appartient à notre intervalle, on ne va pas rejeter H0, mais par contre, si la moyenne qu'on a mesurée, elle est en dehors de l'intervalle, du coup, ça veut dire que la différence est trop élevée, donc là, on rejette H0, ok ? Et toujours au risque alpha, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Ça va ? Du coup, ensuite, il y a une autre méthode, ça consiste à calculer un indice statistique. Donc ça, c'est ce que vous allez faire, genre 90% du temps, l'autre méthode, elle n'est pas trop utilisée. Du coup, là, je vais prendre l'exemple pour un test où vous avez la comparaison d'une moyenne observée à une moyenne théorique. Par exemple, si on vous dit, dans la population française, le poids moyen des hommes, je sais pas, est 80 kg, et qu'on prend un échantillon de 50 personnes, et qu'on voit que la moyenne est genre de 82 kg, là on va effectuer un test moyenne observée vs moyenne théorique, ok ? Donc pour ça on utilise, là c'est ce qu'on va voir, et l'indice que je vous mets là, ça va être pour faire ça uniquement, ok ? Du coup là on utilise une formule, c'est Z c'est l'indice, c'est M moins mu sur S qui est l'écart type sur racine de N. Du coup M c'est la moyenne observée sur l'échantillon, mu c'est la moyenne théorique, S c'est l'écart type et N c'est le nombre de personnes dans l'échantillon. Du coup pour si le risque alpha vaut 5%, là je vous donne un exemple, après je vais vous expliquer le principe général. Du coup si l'indice dans ce genre de test, le seuil ça va être 1,96, ok. Si l'indice que vous calculez sur votre échantillon il est inférieur à 1,96, on considère que la différence n'est pas significative, on ne rejette pas H0. Si l'indice est supérieur ou égal à 1,96, on considère la différence comme significative et on va rejeter H0, ok ? Donc 1,96, c'est une valeur, ça vient de la loi normale. Pour ce genre de test, ce sera toujours ça, mais on va reprendre ça après, je vais faire une synthèse, ok ? Du coup, là, on va prendre un exemple. On va réaliser une étude sur la concentration moyenne de glucose dans le sang chez 55 patients diabétiques traités par des sulfamides hypoglycémiants. On nous dit que la moyenne dans la population totale, donc la moyenne théorique, elle vaut 1,2 g par litre. Par contre, dans notre groupe de patients traités par le même médicament, on a une moyenne qui est de 1,7 g par litre et on nous donne la variance. Ok. Donc là, au brouillon, on marque les trucs importants. On nous dit donc la moyenne observée, c'est la moyenne dans notre échantillon, c'est 1,7 g par litre. La moyenne théorique, c'est la moyenne dans la population totale, c'est 1,2 g par litre. Nombre de sujets, 55.
Et là, il faut faire gaffe parce qu'on nous donne la variance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au lycée, on vous a dit la variance, c'est le carré de l'écart type, ok? Donc ça peut être un piège au concours, surtout si on vous donne la variance, vous faites la racine et vous prenez bien l'écart type. Du coup, la variance, on la note S carré, c'est 1,2 g par litre. Donc l'écart type, ça va être racine de 1,5, donc ça va donner 1,23 g par litre, ok? Donc là, on va rentrer tout ça dans notre, pour faire notre indice. Ah oui, non, d'abord, on émet les hypothèses, ok? Donc on va faire l'hypothèse H0, donc hypothèse nulle. On va considérer l'hypothèse nulle, j'ai dit c'est toujours une égalité. Donc là, l'hypothèse nulle, ça va être que la moyenne, ça va être 1,2 g par litre sur notre échantillon. Là, on met mu et pas m, parce que les hypothèses, en fait, c'est marqué au fond, là, enfin en bas, c'est de la forme mu égale et non m égale, parce qu'on cherche à savoir si la valeur de l'échantillon est compatible avec celle de la population générale. Okay, donc là, on ne reste plus sur notre échantillon, on s'étend à toute la population, donc on utilise mu. Du coup, notre hypothèse nulle, c'est mu égale 1,2 g par litre. On considère que ça veut dire que la concentration de glucose ne va pas être modifiée dans l'échantillon. Et l'hypothèse alternative, on l'appelle H1, c'est mu différent de 1,2 g par litre. Donc on va considérer que ça veut dire que la concentration de glucose est modifiée dans l'échantillon. Okay. Du coup, là, on va essayer de voir si H0, on la rejette ou pas. Donc on va faire les deux méthodes. Première méthode, on fait l'intervalle de fluctuation comme vous avez vu hier. Donc on rentre les valeurs dans l'intervalle, on obtient un intervalle entre 0,87 et 1,53. Et là, à partir de la moyenne qu'on va observer sur l'échantillon qu'on a prélevé, on va voir si elle rentre ou pas dans l'intervalle. Si elle rentre dans l'intervalle, ça veut dire que on rejette pas H0. Ça veut dire que la différence entre ce qu'on a mesuré dans l'échantillon et dans la population générale, c'est pas significatif, ok? Si M, elle est en dehors de l'intervalle, on considère que H0 est fausse, parce que du coup, c'est trop significatif. Genre, la moyenne, elle est trop différente, ça sort de l'intervalle, c'est pas possible. Donc, on rejette H0 et on valide H1. Enfin. Du coup, dans le cas présent, on a M égale 1,7, et 1,7, ça appartient pas à l'intervalle de fluctuation à 95%. Du coup, la concentration en glucose dans le sang est modifiée dans notre échantillon par rapport à la population générale. Donc ça, c'était un test avec les intervalles. Maintenant, on va voir avec l'indice, ce que vous allez faire le plus. Du coup, là, on est dans le cas de comparaison d'une moyenne observée. Donc là, le taux de glycémie à théorique, parce que c'est dans la population générale, pour un grand échantillon. Pourquoi grand échantillon? Parce que on a 55 sujets, et on passe d'un petit échantillon à un grand échantillon à la valeur seuil de 30, comme vous avez vu hier pour les intervalles. Du coup, là, on applique la formule, c'est Z égale M moins mu, sur S sur racine de L, avec M toujours moyenne de l'échantillon, et mu la moyenne sur l'ensemble de la population ou moyenne théorique. Du coup, là, on calcule l'indice, on rentre les valeurs, ça fait 1,7 moins 1,2 sur 1,23 sur racine de 55, et ça donne 3,01. Du coup, si vous vous rappelez, je vous ai dit que le seuil, c'était 1,96. Donc là, on prend la valeur absolue, parce que des fois, si on inverse 1,2, 1,7 en bas, on obtient une valeur négative, ça on s'en fiche du signe. Hein. On prend la valeur absolue pour comparer au seuil. Du coup, là, 3,01, c'est supérieur à 1,96, donc on va rejeter H0. Comme pour l'intervalle de fluctuation, on obtient le même résultat, la concentration en glucose dans le sang est modifiée dans notre échantillon, par rapport à la population générale. Okay. Et du coup, ouais, c'est ce que je vous disais, la valeur 1,96, c'est toujours la valeur seuil pour ce type de test. Mais on va reprendre ça à la fin, on va faire une synthèse des tests. Donc, quand on rejette H0, on peut calculer avec quelle conviction on rejette H0, ok? Donc ça, pour ça, on va calculer le degré de significativité. Et la formule pour ça, donc le degré de significativité, c'est le petit p ici, il est égal à 2 fois la probabilité que Z soit supérieur à l'indice calculé. Et Z, on fait ça avec la loi normale, ok? Du coup, on va obtenir, on a Z qui vaut 3,01. Donc, là, vous voyez, là, c'est la table de votre loi normale. Si vous voulez, j'ai mes tables, vous pouvez venir à la fin si vous n'avez pas compris, je vous expliquerai comment faire. Du coup, là, vous regardez. On veut la probabilité que Z soit supérieur à 3,01. Donc on prend 3,0 plus 0,01 qu'on trouve en haut. On va dans la table, ça fait 0,0 exposant 2, 13. Du coup, le exposant 2, ça veut dire qu'il y a 2 zéros. Hein. C'est juste parce qu'il n'y a pas la place dans leur petite case. Et du coup, là,
on met ça dans la formule, on n'oublie pas de faire x2, parce que si vous le demandez au concours, on va toujours avoir un item où ils vont prévoir que vous oubliez de faire le x2, et là vous vous faites avoir, il ne faut surtout pas oublier. Donc là, P ça vaut 0,0026. Ça va ? Ok. Donc les tests statistiques, on a vu, c'est pas fiable à 100%. Il y a toujours un risque de 5%. Donc là, il va y avoir différentes erreurs possibles dans un test statistique. Donc déjà, on a l'erreur alpha. Du coup, on a vu qu'il était possible de rejeter H0 si la différence entre M et mu est significative. Mais il y a quand même un risque de 5% de rejeter H0 et de se tromper. Du coup, ça, c'est l'erreur alpha. Et c'est l'erreur alpha qu'on appelle aussi erreur de première espèce. Donc c'est la probabilité de rejeter H0 alors qu'elle est vraie. Et elle vaut souvent 5%, c'est à chaque fois le petit 5%, ça vient de là. Du coup, on va représenter ça graphiquement. Voilà, alors ici, vous voyez, ça fait... en gros, là, vous êtes dans la zone de non-rejet de H0, sachant que là, H0, là, c'est la vraie distribution, donc on est bien sous H0, H0, elle n'est pas rejetée. Du coup, vous voyez, ici, c'est la zone de non-rejet de H0, et si on rejette H0, c'est qu'on se trompe. Il y a 2,5% de chances de se tromper... au-dessus et 2,5% de chances de tromper en dessous, au total ça fait bien 5%, d'accord ? Du coup ça c'est l'erreur alpha, c'est le total des deux aires grises. Ensuite on a l'erreur bêta. L'erreur bêta ça consiste à ne pas détecter une différence qui existe. En gros on ne rejette pas H0 alors qu'elle est fausse, on ne rejette pas H0 alors qu'on aurait dû la rejeter. Et ça correspond, bêta ça correspond également à un manque de puissance. Si on vous demande le manque de puissance du test stat, c'est bêta. Et après, à partir de ça, on peut calculer la puissance d'un test statistique qui vaut 1 moins bêta. Du coup, on va aussi représenter ça graphiquement. Alors, c'est pas évident. Alors, je vous explique. Derrière, il y a la courbe de H0, ok ? Sachant que là, on sait qu'elle est fausse, vu que dans l'erreur bêta, H0 est fausse. Là, il y a H1, c'est la vraie distribution de M, ok ? Donc, pour H0, l'erreur bêta, on nous a dit... c'est la probabilité de ne pas rejeter H0 alors qu'elle est fausse. Du coup, vous voyez ici, on doit être dans la zone de non-rejet de H0, d'accord ? Donc on ne rejette pas H0, on n'est pas au-dessus, on n'est pas en dessous. Donc on est dans la zone de non-rejet de H0, mais on sait aussi que H0 est fausse et que c'est H1 qui est vrai. Donc on doit être sous H1. Du coup, on est dans la surface claire ici, d'accord ? Ça, c'est l'erreur bêta. Ça va ? C'est pas évident ? Du coup, il y a la dernière et troisième erreur, c'est l'erreur gamma. C'est la moins fréquente et c'est la probabilité de rejeter H0 alors qu'elle est bien vraie, mais de conclure dans le mauvais sens. Par exemple, si on a un échantillon où le poids moyen il est beaucoup plus élevé que la normale, ok, on rejette notre truc, on rejette notre hypothèse, mais si on, par exemple, on conclut dans le mauvais sens, on dit que le poids il est inférieur, ben, on se trompe, c'est l'erreur gamma. Elle est en général négligeable. Ok ? Ok, donc là, synthèse, comment faire un test statistique, ça va toujours être la même chose, d'accord ? Donc ça, vous avez intérêt de l'avoir en tête, comme ça, vous voyez un exercice avec un test stat, vous dites, ok, je fais le protocole, 1, je formule H0, c'est l'égalité des moyennes, ensuite, je choisis mon indice statistique, donc là, il y a Z, qui 2, T, je vais les détailler après, ceux-là. Ensuite, on détermine la valeur seuil au risque alpha égale 5% à l'aide des tables statistiques. Ensuite, on calcule sous H0 la valeur de l'indice avec la formule que vous connaîtrez. Et si après, on va conclure, si la valeur de l'indice est strictement inférieure au seuil, on ne rejette pas H0, la différence est non significative. Si la valeur de l'indice est supérieure ou égale au seuil, on rejette H0, la différence est significative. Bon, maintenant, je vais vous présenter quelques tests statistiques sur une variable et je vais reprendre celui qu'on a vu avant. Du coup, on commence avec le test de comparaison moyenne observée à théorique sur petit échantillon. Donc ça, c'est un test équivalent à celui de comparaison de moyenne observée à théorique sur grand échantillon. C'est juste, on change juste l'indice statistique, ça va plus être Z, mais T. Donc T, vous avez vu hier aussi, c'est avec la loi de Student, alpha sur 2 égale 2,5%. Et on va aussi utiliser les DDL de Great Liberté qui vont valoir N-1. Donc là, on va tester la valeur moyenne d'une variable par rapport à la moyenne théorique tirée de la population dans un échantillon de moins de 30 personnes, d'accord ? Du coup, la formule, là, c'est un résumé du test comparaison moyenne observée à théorique. Donc là, c'est ce qu'on a vu juste avant. Sur grand échantillon, il faut que n soit supérieur ou égal à 30. L'indice, la formule z, c'est égal à m moins mu sur s sur racine de n. Et le seuil, c'est 1,96. Et pour petit échantillon, donc on a un n inférieur à 30. Et là, il faut absolument que x suive une loi normale. Si vous avez n inférieur à 30,
faut absolument ça, sinon vous ne pouvez pas faire votre test statistique et ils peuvent vous piéger là-dessus les profs, d'accord? Donc là, l'indice, ça va plus être z, mais t, qui va être égal, c'est la même formule, c'est m moins mu sur s sur racine de n, qui là suit une loi de Student à n-1 dDL. Et pour calculer le seuil, du coup, là, c'est, va falloir regarder dans les tables pour t à n-1 et 2,5%, d'accord? Et pour le degré de significativité, c'est la même chose, c'est aussi p égale deux fois la probabilité que t dans la loi de Student soit supérieur à l'indice que vous avez calculé. Pour un petit exemple, même ça va être un peu plus concret parce que là ça doit vous paraître un peu bizarre. Du coup, on va prendre un échantillon de 18 individus dans le coma et on va mesurer le score de Glasgow. Il est en moyenne de 3 dans notre groupe de 18 individus, alors que ce score est de 5 chez les individus atteints de coma dans la population. Donc là, on a notre moyenne observée, ça va être 3, notre moyenne théorique, ça va être 5. Ça, on le note direct au brouillon. Ensuite, on va considérer un écart type égal à 4 et on nous dit que la variable suit une loi normale. Donc on applique nos étapes. 1, on établit H0, égalité des moyennes. La moyenne ne varie pas, c'est à peu près la même chose. C'est dû aux fluctuations d'échantillonnage. Deuxième étape, on vérifie la validité. Donc là, on a un N inférieur à 30. Donc on sait que du coup, on est dans un petit échantillon. Donc on va pouvoir réaliser le test que si ça lui suit une loi normale. Du coup, c'est marqué dans l'énoncé, donc c'est bon. On est bon, on peut faire le test. Troisième étape, on va calculer l'indice. Donc ici, on a vu qu'on était dans le cas d'un test de comparaison de moyenne observé à théorique sur un petit échantillon. Donc on applique la formule t égale m moins mu sur s sur racine de n, avec m égale 3 et mu égale 5. Merci. Du coup, on applique et ça fait t égale moins 2,12. Donc après, on prend la valeur absolue parce que le moins là, c'est pas important. Ça fait 2,12. Hop. Ensuite, on va lire la valeur seuil dans la table pour comparer notre indice à la valeur seuil. Donc là, on lit dans la loi, dans la table de Student, ça alpha sur 2 égale 2,5%. Et on a pour degré de liberté n-1, donc 18-1 égale 17. Hop. Là, vous avez votre table. On prend 0,025 ici parce que c'est 2,5% pour alpha ici. Et là, en DDL, on va jusqu'à 17. On regarde où ça colle. Paf, ça fait 2,11. Et ensuite, on conclut, on a notre indice qui vaut 2,12, c'est supérieur à 2,11, donc la différence est significative. On va rejeter notre hypothèse au risque 5%. On peut donc conclure au risque de 5% que le score de Glasgow dans notre échantillon il est significativement inférieur à la moyenne générale. D'accord ? Donc dans notre échantillon, c'est différent. Si on avait trouvé un indice inférieur au seuil, on aurait considéré que en fait, c'était pas vraiment différent. La différence, elle aurait été due aux fluctuations qu'il y a. C'est juste, ça aurait été un manque de vol, genre, bah, ça change un peu d'un échantillon à l'autre, c'est normal. Okay. Alors ensuite, on va calculer le degré de significativité. Donc on peut aussi le faire pour ce type de test. Donc c'est toujours deux fois probabilité que t soit supérieur à l'indice calculé. Donc là, comment on trouve le truc en italique, ça explique, mais c'est un peu compliqué. Je vais essayer de reprendre ça doucement. Alors du coup, on a trouvé un indice qui vaut... On est à 2,12. Ok. Donc pour trouver le degré de significativité dans la table de Student, vous vous placez au degré de liberté que vous avez calculé. Donc là, on se met à 17, on se met là-dessus, et on regarde les valeurs ici, là. Vous voyez le curseur ou pas? Ouais. Du coup, vous mettez là, et vous allez essayer d'encadrer la valeur que vous avez trouvée. Donc là, c'est 2,12, donc on est entre 2,11 et 2,56, on va être entre là et là. Ok. Et ensuite, pour trouver le degré de significativité, on remonte et on va regarder. Du coup, c'est entre 0,025 et 0,01. Et pour être plus fiable, on va prendre la valeur la plus petite. Donc, on va prendre 0,01. Donc là, on a trouvé notre... Et après, il faut le multiplier par 2, donc ça va faire 0,02. Ah non, c'est 0,025 qu'on compte.
Bon, on va regarder ça après, on vous redira, on vous tient au courant. Mais du coup, la technique que je vous ai montrée, c'est quand même la bonne technique, c'est juste que là, on a dû faire une erreur dans le truc. Mais du coup, si vous n'avez pas compris comment faire, vous venez me voir à la fin du cours, je vous explique avec les tables, ok? Oui, ou d'ailleurs, il y a peut-être des tuteurs qui circulent dans les rangs et qui peuvent vous aider. Et du coup, alors ensuite, on va voir un autre type de test. Donc là, on a vu moyenne observée vs moyenne théorique. Là, on va voir dans le cas de répartition. Qu'est-ce que ça change? Ça change que la variable, c'est plus une variable quantitative, comme un score ou, je sais pas, le poids, voilà. Là, on va prendre, ça va être des classes, en fait. C'est une variable qualitative, genre, par exemple, couleur des yeux, rouge, vert, bleu, marron. Du coup, ça va être trois classes différentes, ok? Il y a des gens qui ont les yeux rouges, hein, ça marche. Du coup, quand on va avoir une variable qualitative, on fait plus le test comme avant. Là, on va partir sur un test du qui 2, ok? Donc la méthode va être différente, je vais vous montrer. Enfin, la méthode générale d'un test stat reste la même, mais c'est la valeur de l'indice, la formule va être différente. Du coup, là, pour ce genre de test, il va falloir réaliser un tableau. Au brouillon, vous ferez votre tableau, vous allez noter les valeurs et ça va être beaucoup plus clair dans votre tête. Du coup, là, je vous présente la validité. On va voir après avec le tableau, vous allez comprendre. Du coup, validité, il faut que tous les CI soient supérieurs ou égaux à 5. Donc, CI, c'est les effectifs calculés. Les effectifs calculés, on va les calculer par la formule CI égale N fois PI. Je vais vous dire après ce que c'est, vous n'en faites pas. Du coup, l'indice, là, ça va être le QD observé, ça va être la somme des OI moins CI au carré sur CI. Ça va suivre une loi de QI 2 à K moins 1 DDL, K étant le nombre de classes. Donc, par exemple, dans l'exemple d'avant, si on a trois couleurs d'yeux possibles, bon, il y en a plus, hein, mais du coup, vert, bleu, marron, il y a trois classes, du coup, à K moins 1 DDL, ça fera 2 DDL, ok? Et après, la décision, ça va être pareil. Si l'indice calculé, il va être inférieur au seuil, on rejette pas H0, et s'il est supérieur, on rejette H0. Sachant que là, le seuil, ça va être à qui 2, K moins 1, donc nombre de classes moins 1, 5%. Là, on ne prend pas 2,5% comme on a l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que là, vous verrez sur les tables, la loi du qui 2, elle n'est pas symétrique, ok? On ne divise pas par 2 parce qu'on peut faire ça sur les autres tables, sur les autres lois, parce que c'est symétrique. Et vu que là, ça va être que d'un côté, la courbe, on ne pourra pas diviser par 2. Donc on prend 5%, il faut faire gaffe. Du coup, un petit exemple pour que vous compreniez. Donc alors, les personnes hospitalisées pour addiction ont souvent du mal à parler de leurs problèmes. Ainsi, un nouveau score a été créé avec une approche différente afin de pallier ce problème. Sur 678 individus testés, 465 ont osé en parler, tandis que dans la population générale, 34% en ont parlé. Donc là, à partir de ça, là, on se rend compte qu'on ne peut pas appliquer les lois d'avant avec les moyennes. En fait, on n'a pas de moyenne. Là, c'est vraiment, on a une variable qualitative, c'est est-ce qu'on parle du problème ou non, d'accord? Il faut bien identifier la variable. Du coup, là, on nous demande, peut-on en déduire que ce nouveau test est plus efficace que l'ancienne méthode? Donc, alors, première étape, on établit H0, égalité des répartitions. Le nouveau score permet aux patients de parler leurs problèmes autant que l'ancienne méthode. Ça ne sert à rien, c'est H0. Ensuite, deuxième étape, on dresse un tableau pour chacune des classes. Il va être sur la diapo d'après, je vais vous montrer. Donc, on va remplir avec les pourcentages théoriques dans la population générale PI, les effectifs observés OI et les effectifs calculés ou théoriques CI avec CI égale N fois PI. Donc, alors, on a parlé, on a vu dans l'énoncé, la proportion théorique, c'est 34%, donc on met 0,34. Mais on n'a pas parlé, proportion théorique. Oui, du coup, la première ligne, s'il y a un problème d'affichage, c'est les effectifs théoriques dans la population générale. Donc là, on a 66%, donc on met 0,66, le total, ça fait 1. Ensuite, là, c'est sur notre échantillon. Ça, c'est nos effectifs observés, d'accord?
nos effectifs observés. Donc on a parlé, on a dit 465 et 213 n'en ont pas parlé. Total, ça fait 678. Ok, donc là, on a transcrit les données de l'énoncé. Et ensuite, on va calculer les effectifs calculés. Pour ça, on prend la proportion théorique qui aurait dû en parler si on n'avait pas changé la méthode, et on multiplie par le nombre total de sujets qu'on a sur l'échantillon, d'accord? Donc on fait, là c'est pi et là c'est n, donc c'est bien ci égale n fois pi, d'accord? Donc ça fait 0,34 fois 678, ça donne 231. Ok, on fait pareil à côté, 0,66, donc pi, n, 0,66 fois 678, ça donne 447, et on retrouve bien un total de 678. C'est important de mettre le total, comme ça, si vous êtes sûr, vous êtes implanté quelque part dans vos calculs. Ok, donc là, on a fait notre tableau. On a nos CI ici. On va pouvoir regarder les conditions de validité. Donc, on vérifie la validité. Donc là, on a bien tous les CI. Les CI, là, c'est 231 et 447. C'est bien supérieur ou égal à 5, donc on peut faire notre test. Donc là, on applique la quatrième étape. On calcule l'indice statistique. Donc ça, c'est qui 2. Donc le qui 2 observé, c'est égal à la somme des OI moins CI au carré sur CI. Donc là, ça peut vous paraître un peu barbare, mais en gros, c'est pas compliqué. Pour chaque colonne, enfin pour chaque classe que vous allez avoir un terme dans votre équation. Donc là, il y a deux classes, donc vous avez deux termes. Donc là, on prend la première colonne, vous prenez la colonne numéro 1, hop, ça vous fait votre premier terme, vous faites 465 moins 231 au carré sur 231. Et après, vous additionnez avec colonne d'après, vous faites pareil. Vous faites OI, effectif observé, moins CI au carré sur CI. Voilà. Et du coup, vous mettez ça dans votre calculette et vous obtenez 360. Ensuite, on lit la valeur seuil, comme d'hab. Donc, on la lit dans la table du qui 2 à, 5, à alpha égale 5%. Et au degré de liberté, là, du coup, c'est K-1, comme je vous disais. Du coup, là, vu qu'on a deux classes, ça fait 2-1 égale 1. Et du coup, on lit dans la valeur seuil 3,84. Cette valeur, elle va souvent revenir, donc faut que vous la connaissiez aussi. Du coup, là, vous obtenez 3,84. On conclut, le qui 2 observé, c'est 360, c'est nettement supérieur à 3,84. Donc là, on rejette carrément H0. La différence, elle est significative. On peut donc conclure que le nouveau score permet de détecter plus de patients ayant une addiction que l'ancienne méthode. Ok ? Si vous voulez qu'on vous explique comment lire la table du qui 2, vous pouvez demander au tuteur, vous pouvez venir voir à la fin. Et du coup, là, on a vu pour répartition observée, BS théorique sur grand échantillon. Il y a aussi la même version, mais sur petit échantillon. Là, ça va être le qui 2 de Yates. Ça va ressembler à celui sur grand échantillon. Juste les conditions de validité et le calcul de l'indice vont être différents. Et surtout, on doit toujours avoir deux classes. Donc la validité, c'est au moins un des CI va être inférieur à 5. Et tous les CI supérieurs ou égaux à 3. Et surtout, deux classes. Faut pas se faire avoir, il faut qu'il y ait deux classes, tous les CI supérieurs ou égaux à 3, et un des CI inférieur à 5. Pourquoi un des CI inférieur à 5? Parce que sinon, on serait dans le cas de gros échantillons, d'accord? Ici, il n'y a pas le n égale 30, là, le seuil, c'est pas 30 pour passer du petit au grand échantillon, c'est à partir des CI qu'on va faire, donc faut bien différencier les deux, d'accord? Du coup, on calcule l'indice, le qui de... Ça se note comme ça, qui de Yates, ça vaut somme des OI moins CI, moins 0,5, le tout au carré. Il ne faut pas oublier la valeur absolue ici, ou alors si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, vous prenez le plus grand moins le plus petit, mais bon, sinon vous mettez valeur absolue. Et vous faites le tout sur CI, qui suit une loi de qui 2, et là c'est 1 degré de liberté. Pourquoi? Parce qu'il faut forcément deux classes pour les petits échantillons. Donc si c'est K-1, ça va être 2-1, ça va tout le temps être 1 degré de liberté. Donc après de la décision, si c'est inférieur à 3,84, donc ça, c'est la valeur que je vous disais d'apprendre parce qu'elle revient souvent. Et pour les qui de Yates, vu qu'il y a toujours deux classes, il y a toujours un degré de liberté, donc le seuil, ce sera toujours 3,84. Okay, donc si c'est inférieur à 3,84, on ne rejette pas H0, différence non significative. Si c'est supérieur ou égal, on rejette H0, c'est significatif. Et là, le degré de significativité, ça va être, la formule change un peu, c'est petit p, c'est égal à la probabilité que qui 2 soit supérieur à l'indice calculé. Donc là, c'est pareil, on ne fait pas x2. Donc faut faire gaffe. Pourquoi? Toujours parce que la loi de qui 2, elle n'est pas symétrique sur quand on représente graphiquement. Ok. J'ai fini. Je vais revenir pour le truc de tout à l'heure où je me suis trompé. Regarde.
Au final, il y a une erreur. Alors, 83. Moi, j'ai 25. Ouais, voilà, ici. Donc en fait, à partir d'ici, du coup, c'est bien le plus petit qui joue point. Donc voilà, donc on reprend, on avait normalement, c'est chiant. Donc on avait t égale 2,12. Et donc, quand on cherche 2,12 dans la table, voilà, ici, on va trouver 2,12 pour 17 degrés de liberté. Va se trouver entre 2,110 et 2,567. Du coup, il va bien falloir prendre le plus petit ici, 2,110, qui correspond à un alpha sur 2 égal à 0,025. Donc en fait, ça c'est logique, parce qu'il faut toujours être rigoureux, c'est-à-dire si on prend la borne la plus grosse, on va diminuer notre alpha. Ce que forcément, vu que au final notre t est entre les deux, on sait qu'il va être forcément, on va avoir forcément un alpha. Alpha sur 2, bien sûr, supérieur à 0,01. Du coup, si on est rigoureux, il ne faut pas dire 0,01 parce que là, on surestime. On va avoir tendance justement à sous-estimer la puissance de notre étude, donc, c'est-à-dire surestimer alpha pour bien dire on ne sait pas et tout. On est rigoureux, on prend l'alpha le plus gros, c'est-à-dire là-bas, c'était le plus petit de l'intervalle. Du coup, ça nous donne bien 0,025 pour alpha sur 2, donc 2 fois 0,025 égale à 0,05. Du coup, en fait, il n'y avait pas de problème avec le diabolo. Bon bah, merci pour votre attention, désolé pour la petite erreur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir, on a des tables, on peut vous montrer comment ça marche pour si vous avez des soucis avec ça. Sinon, on verra ça en TD. Voilà, comme vous voulez. Merci. Vous avez faim? Bon ben on va continuer alors, c'est dommage. Moi aussi j'ai faim, je vous comprends. Du coup là on va faire une pause de 10 minutes, parce qu'on est en avance, du coup on attend. Bon, une pause de 5 minutes. En vrai je me suis dit, pause le temps qu'on change du machin. Moi si c'était cool ça. Moi j'ai quand même fait une connerie mais bon. Ouais mais non mais en fait mais je...
Bah, non, tu veux t'appuies sur la lire là-bas en haut à droite. Je suis pas trop bon. Okay. Bonjour, je vais vous faire le cours sur les comparaisons de moyennes. Bah, comme tout à l'heure, à la fin du cours, si vous avez des questions, il y a les tuteurs qui y passent, vous pouvez venir nous voir à la fin. Alors, pour les comparaisons de moyennes, l'objectif, c'est de mettre en évidence l'existence d'une liaison entre deux variables, donc entre une variable quantitative, donc par exemple un nombre de patients ou des valeurs en grammes, et une variable qualitative, donc une maladie qui n'est pas dénombrable. Ensuite, on va réaliser une comparaison de moyenne. Donc, pendant l'étude, on va récolter les données qui vont correspondre. Ensuite, on va faire des moyennes avec les valeurs qu'on va trouver. Et donc, du coup, le test, ça va être de se demander si la différence observée entre les deux moyennes, si c'est une vraie différence ou si c'est juste dû à une fluctuation des personnes choisies dans l'échantillon. Donc l'hypothèse nulle, H0, c'est que les deux moyennes sont égales, et si elles ne sont pas égales, alors on va avoir l'hypothèse H1 qui sera les deux moyennes qui sont différentes. On va avoir différents cas. Donc, pour les grands échantillons, les conditions de validité, il faudra faire attention parce que les calculs ne seront pas les mêmes en fonction des échantillons, en fait. Donc, si c'est un grand échantillon, ce sera les deux effectifs seront supérieurs ou égaux à 30 dans les deux groupes. Et donc, pour calculer la valeur seuil, donc vous aurez Z0 qui est égal à la moyenne du premier groupe, du premier échantillon, moins la moyenne du deuxième échantillon, divisé par la racine de S1 au carré. Donc S1 carré, c'est la variance, parce que la variance, en fait, c'est égal à S carré. Donc S, c'est l'écart. Donc du premier groupe, divisé par l'effectif du premier groupe, plus S2 carré, donc la variance du deuxième groupe, divisé par l'effectif du deuxième groupe. Et faites bien attention à ne pas oublier les carrés ou la racine, parce qu'ils aiment bien piéger là-dessus. Il y aura toujours un item au concours où il y aura un oubli de carré ou de racine. Donc ensuite, pour conclure, vous devrez trouver la valeur seuil, comme pour le cours juste avant. Donc pour un alpha sur 2. Et donc comme tout à l'heure, en général, alpha, ce sera 5%. Et donc Z alpha sur 2, si vous lisez dans la table de la loi normale, ce sera 1,96. Mais c'est plus simple de le connaître par cœur que de le rechercher, puisque en général c'est 5%. Donc ensuite, pour conclure, si la valeur que vous avez calculée, Z0, est inférieure à la valeur seuil que vous avez trouvée, on ne rejette pas H0. Donc ça voudra dire que la différence entre les deux moyennes n'est pas significative. Et donc du coup, l'écart observé, ça pourrait être dû aux fluctuations de l'échantillon. Par contre, si Z0 est supérieur ou égal à la valeur seuil que vous avez trouvée, on rejette H0 et la différence entre les deux moyennes est significative, donc avec un degré de signification, donc p-value, qui est égal à 2 fois la probabilité que Z soit supérieur à Z0, donc Z0, celui que vous avez calculé. Et faites attention à ne pas oublier le 2 fois la probabilité, parce que comme tout à l'heure, il y aura toujours un item dans le concours où ils vont vous mettre la valeur sans le fois 2. Et donc, du coup, l'écart ne sera pas dû aux fluctuations d'échantillonnage. Pour les petits échantillons, là, c'est plus... Enfin, il faut faire plus de choses. Donc, les petits échantillons, ce sera inférieur, les effectifs inférieurs à 30 dans les deux groupes. Et faites bien attention aux conditions de validité, parce que la distribution doit suivre une loi normale. Et parfois, ils aiment bien piéger là-dessus. On ne peut pas faire le calcul parce que ce n'est pas une loi normale. Faites attention. Et les variances doivent être égales. Donc avant de pouvoir faire le test de comparaison de moyenne, vous devrez d'abord vérifier que les deux variances sont bien égales, sinon vous ne pourrez pas continuer le test. Donc on doit d'abord comparer les variances. Donc pour faire la comparaison de deux variances,
L'hypothèse nulle, toujours, donc, c'est que les deux variances sont égales. Sinon, vous avez H1, donc les deux variances sont différentes et on ne peut pas continuer le test. Donc, les variances, on calcule les variances, S1 carré dans le premier groupe et S2 carré dans le deuxième groupe. Et si S1 carré est supérieur à S2 carré, pour calculer la valeur du test, F0, vous faites S1 carré divisé par S2 carré. Mais faites attention parce qu'il faut que la valeur qui soit au numérateur, donc celle qui est au-dessus, il faut que sa valeur ce soit elle la plus élevée. Donc si par exemple S2 carré est supérieur à S1 carré, là pour calculer la valeur F0, vous faites S2 carré divisé par S1 carré. Il faut toujours que la valeur la plus élevée soit au-dessus. Quoi. Et donc vous lisez la valeur seuil dans la table de la loi de Fisher pour... là, c'est le fn-1. Donc, en fait, n-1, ça correspond à k1. Dans votre table, ça correspond à la ligne. Et n2-1, c'est k2, et ça correspond à la colonne. Donc, bah, là, vous avez le tableau que je viens de vous dire. Donc, k1, c'est n-1, donc c'est la ligne. n-1, donc c'est, oui, la ligne. Là où vous trouvez, dans l'exemple 14, l'encadré bleu. Et pour K2, vous avez la colonne N-1, N2-1, et donc vous avez là l'encadré vert qui est égal à 9. Et ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que, comme F0 est toujours supérieur à 1, c'est pour ça que la valeur de variance la plus élevée est toujours au-dessus quand vous faites la division de S1 carré divisé par S2 carré. Ensuite, pour conclure, si la valeur que vous avez calculée est inférieure à la valeur seuil que vous avez trouvée, on ne rejette pas H0. Donc la différence des deux variances est non significative et on peut continuer le test. Par contre, si F0 est supérieur ou égal à la valeur seuil, vous rejetez H0 et puis vous ne pourrez pas continuer le test. Donc vous avez terminé. Et vous calculez toujours pour un alpha divisé par 2. Toujours pour les petits échantillons, donc pour calculer la valeur seuil pour les deux moyennes, sous H0, vous avez T0, donc c'est pour calculer la valeur du seuil du test, la valeur du test. Donc c'est toujours la moyenne du premier groupe moins la moyenne du deuxième groupe, divisé par la racine de S carré, fois donc la variance de l'échantillon, fois 1 sur l'effectif du premier groupe, plus 1 sur l'effectif du deuxième groupe. Faites toujours attention de ne pas oublier le S carré, comme il y aura toujours un piège, et la racine aussi. Pour calculer S carré, vous devrez utiliser la formule en dessous. Donc vous multipliez la variance du premier groupe fois l'effectif du premier groupe moins 1, plus la variance du deuxième groupe fois l'effectif du deuxième groupe moins 1, et vous divisez tout ça par N1 plus N2 moins 2. Ensuite, pour conclure, c'est toujours la même chose, vous comparez donc le T seuil qui est lu dans la table de la loi de Student pour N1 plus N2 moins 2 DDL, les DDL c'est le degré de liberté. Et faites bien attention, c'est N1 plus N2 moins 2, parce que dans d'autres tests c'est moins 1, mais faites bien attention parce qu'ils vont aussi vous piéger aussi dessus. Et donc, lisez ça dans la table de Student et toujours alpha sur 2. Pour conclure, si T0 est inférieur à la valeur seuil trouvée, vous ne rejetez pas H0. Et donc la différence des deux moyennes est non significative. Par contre, si T est supérieur à T seuil, vous rejetez H0 toujours. Toujours pour un degré de signification qui est égal à deux fois la probabilité de T supérieur à T0. Et toujours, n'oubliez pas le 2 devant la probabilité. Ensuite, pour les comparaisons de moyennes à parier, donc c'est un peu plus compliqué. Donc vous aurez l'appariement, donc, soit parce que les deux échantillons sont constitués des mêmes individus. Donc en fait, par exemple pour le diabète, vous aurez une personne, vous allez lui prendre, vous allez voir son diabète à un instant donné, et puis le lendemain, vous aurez une autre valeur. Et donc du coup, vous allez mesurer une quantité à deux instants différents,
Et donc ça correspond aux essais en crossover, où aussi vous pourrez avoir un patient qui aura deux traitements différents pour ensuite faire un test. Ou alors, les deux échantillons sont constitués d'individus qui sont différents, mais qui sont appariés via des caractéristiques communes. Donc, par exemple, ils auront le même âge, vous pourrez les apparier. Et donc, ça va vous permettre d'augmenter la puissance des tests et de neutraliser les facteurs qui sont appariés, et donc d'éviter les erreurs, comme vous l'avez vu au cours juste avant. Pour les grands échantillons, c'est toujours l'effectif supérieur ou égal à 30, toujours vérifier la validité du test. Sous l'hypothèse nulle, donc vous aurez Z0, qui est égal à la moyenne de la différence, donc le grand D, ça correspond à la différence, divisé par la racine de la variance de la différence au carré, divisé par N. Donc MD, donc, c'est la moyenne des différences. Donc, pour la calculer, vous avez la formule en bas de page. Donc il faut faire la somme de la différence entre x et y divisé par n. Donc c'est là que c'est un peu compliqué parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez apparier des personnes dans chaque groupe. Une personne du groupe 1 va être appariée avec une personne du groupe 2. Donc vous allez vous retrouver avec des paires. Et les personnes de ces paires auront des valeurs différentes. Donc pour la personne de l'échantillon 1, sa valeur ce sera x. Et pour la personne avec qui elle a parié dans l'échantillon 2, sa valeur sera y. Donc, quand je dis la somme des différences, vous allez faire pour la première paire x pour la personne du premier échantillon, moins y pour la personne du deuxième échantillon. Et vous allez faire ça pour chaque paire. Vous voudrez faire la somme de tout ça divisé par n, donc l'effectif. Et SD, donc la variance des différences, donc la formule, vous l'avez ici. Donc, c'est 1 divisé par n, donc l'effectif, moins 1. Multiplié par la somme des différences au carré, donc là vous calculez la différence pour chaque paire, vous la mettez au carré, vous faites la somme de tous les carrés des différences, moins la somme des différences au carré divisé par l'effectif. Cette fois-ci, faites attention parce que c'est la somme des différences de chaque paire que vous additionnez, et vous faites le tout au carré. Il ne faut pas vous tromper parce qu'ils aiment bien aussi piéger le dessus. Et donc ensuite, vous voyez la valeur seuil dans la table de la loi normale, et puis vous concluez comme pour les autres tests, juste ici. Si c'est inférieur à la valeur seuil, vous rejetez H0, vous ne rejetez pas H0. Et si la valeur calculée est supérieure à la valeur seuil, vous rejetez H0, et toujours pour un degré de signification qui est égal à 2 fois la probabilité, n'oubliez pas le 2 toujours. Et donc, du coup, pour les petits échantillons, la validité, c'est l'effectif qui est inférieur à 30, toujours, et la distribution doit suivre une loi normale. Sous H0, vous calculez la valeur T0, qui est égale à la moyenne des différences, divisée par la racine de la variance des différences sur N, l'effectif de l'échantillon du groupe. Et donc, c'est toujours... toujours MD, c'est toujours la même formule, et LD carré, toujours aussi la même formule. Pour conclure, cette fois-ci, c'est la table de Student. À T égale N-1 DDL, donc vous prenez N l'effectif, moins 1, et DDL, c'est toujours le degré de liberté. Vous regardez donc la valeur seuil, vous comparez à votre valeur calculée, et vous concluez toujours de la même manière. Pour finir, donc... N'oubliez pas qu'on n'accepte jamais H0, parce que vous aurez toujours une proposition qui va vous dire « oui, on accepte H0 ». Et donc, quand c'est un grand échantillon, vous trouvez le seuil dans la table de la loi normale. Faites attention de ne pas vous tromper dans la loi. Pour un petit échantillon, le seuil, c'est dans la table de la loi de Student. Et il faut aussi faire le test de comparaison. Et pour le test des comparaisons de moyenne, le seuil, c'est la table de Fisher. Et oui, aussi, faites attention pour la loi de Student, vous avez différents DDL, des fois c'est N-1, des fois c'est N-2. Faites bien attention parce que ça peut fausser tout votre test, en fait. Et aussi, à la fin des polys du tutorat, vous avez des récaps avec ce qu'il faut connaître, les différentes... dans quelle table chaque test se lit, avec les formules à bien connaître. Il y a des récaps, donc c'est pratique pour savoir... Ça vous évite de faire la synthèse.
Voilà. Du coup, c'était le dernier cours de la matinée et de la semaine. Mais ne partez pas, on fait 5 socratives, je vous avais prévenu au début. Il n'y en a que 5, c'est rapide. Plus vous serez efficace, plus vous partirez vite. À vous de l'être. Est-ce que tu as des corrections? Ouais, attends.